Est-ce qu'il y a un agri en particulier où tu es le plus fier entre hier et aujourd'hui, ou bien tu es super contente de ton mouvement en particulier? Mais je suis plutôt contente pour le sol, bah, parce que c'est pas du tout mon agri fort d'habitude. Ouais. Bah, là, je me suis plutôt amusée, c'était cool. Et bah, mes notes, je suis plutôt contente parce que, comme je viens de le dire, c'est vraiment pas mon agri fort le sol. Et donc, hier, tu as fait 50 points au concours général. Est-ce que c'était la première fois que tu avais fait 50 points? Est-ce que c'était quelque chose de symbolique pour toi? Est-ce que tu peux me raconter un peu? Bah, symbolique, j'irai pas jusque-là, mais c'est ma meilleure prestation. Pour l'instant, ouais. Et je suis contente d'avoir fait 50 points. D'accord. Est-ce que c'était ta première compétition avec du public depuis le Covid, donc depuis 2019? Si oui, comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que c'était bizarre au début? Est-ce que ça t'a plu? Bah, au début, j'avais oublié qu'il allait y avoir du public. Et oui, du coup, c'est la première fois depuis le Covid. Et sur le coup, je me suis dit que ça allait me stresser, mais pas du tout. En fait, ça m'a plutôt encouragé. D'accord. Et alors, l'année prochaine, il y a le code de pointage qui va changer. Est-ce que tu as déjà pensé? Est-ce que tu aimerais entrer de nouveaux éléments? Ou est-ce que par exemple, tu aimerais avoir un élément en particulier l'année prochaine? Donc, le code de pointage va changer un petit peu. Et bah, je vais essayer de rentrer de nouveaux éléments. C'est dans mes projets, presque à tous les agrès. Et bah, essayer de chercher la qualité comme d'habitude et la plus haute performance. Et pour 2022, est-ce que tu as une compétition en particulier que t'aimerais faire en particulier? Championnat d'Europe. Ok. Merci Lilou. De rien.